Du coup, voilà. Je n'ai pas entendu de ce tout ça. Spooky House Jump Scare Mansion. Un jeu d'horreur qui fait pas du tout peur. Vous allez savoir très bientôt pourquoi. J'ai pensé pour voir ce que ça donnait. Et du coup, je voulais jouer avec vous. Du coup, voilà, on joue. Je ne sais pas mettre en train de vous le faire une partie 2. Voilà. Et si je suis motivé, c'est sûr et certain qu'il y aura une partie 2 juste si je suis motivé. Ouais, j'avais pas remarqué. Et le but du jeu, c'est de faire un labyrinthe de partir de porte en porte. Et il y a des checkpoints à tous les 50 portes. Du coup, objectif en ce moment de aller jusqu'à la 50e porte pour les checkpoints. Voilà. Ma chaîne de poule pour une partie 2 sur Spooky House Mansions. C'était quoi ce truc? Ah oui, le premier jumpscare. Alors le jeu, c'est censé être un jeu d'horreur, mais qui fait pas du tout peur. Même leur jumpscare ne fait pas du tout peur. Voilà. Du coup, on est à la chambre numéro 5. Un lit, même. J'ai pas du tout peur. Même les jumpscares de ce jeu ne font pas du tout peur. Là, n'hésitez pas à le tester, il est sur Steam, voilà. Et vous allez voir pourquoi il ne fait pas du tout peur. Alors, si je suis vraiment très très motivé, peut-être il y aura une partie 2 sur Spooky House Mansion, enfin Jumpscare Mansion, mais je vous promets rien, mais si je suis vraiment motivé, il y aura une partie 2 sur ce jeu d'horreur qui n'est pas du tout un jeu d'horreur. On va l'appeler le jeu d'horreur le plus mignon au monde, voilà. Parce que, de 1, il ne fait pas peur, et de 2, les jumpscares, c'est pas des jumpscares, ils sont trop mignons pour que ce soit des jumpscares. Non, les jumpscares de Five Nights at Freddy's sont plus chiants. On est à la chambre numéro 14, je vous rappelle, on était allé jusqu'à la chambre numéro 50 pour le checkpoint. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu, si vous voulez une partie 2, sur Spooky House Mansion, enfin Jumpscare Mansion. Pourquoi à chaque fois je me trompe toujours? On parle de porte en porte, on est déjà à la porte 18. On a des petites lampes torches pour éclairer. Par contre, on a des portes qui sont tout seules ou qui se ferment. Ou des bruits de grincement. Oui, c'est pas du sale tout violet. Là, c'est tous les trois. On a la porte numéro 21. C'est quoi ce truc? Un peu. On a deux lits. Cette chambre est habitée par une personne. Ok. Je sais même pas c'est dans quel temps, c'est le matin ou la nuit dans le jeu. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Maintenant, vous pouvez faire une partie 2 si je suis motivé. Il y a une partie 2 sur Spooky House, sur Scare Mansion. Et là, je ne suis pas trompé. Plus que 25 portes. On a la moitié, les gars. On y est presque. On a un tapis, on a des lampes torches. On est à la moitié. Là, on est à la porte numéro 28, bientôt 30. Franchement, ce jeu. N'hésitez pas à y jouer, même si c'est censé être un jeu d'horreur avec plein de screamers, plein de jumpscares. Je vois pas pourquoi c'est censé être un jeu d'horreur. Ok, porte numéro 30, on est tout joli, là. Je pense qu'on va un peu dépasser les 50 portes. Alors pour la partie 2, je pense qu'on va commencer la partie 2 dans la porte 50 ou... Ouais. Oh, on a des photos, des cadres. Par contre, là on a eu qu'un seul jumpscare, qu'à la base, le jeu s'appelle quand même Spooky House Jumpscare Mansion et qu'un seul jumpscare, ok. On est à la porte numéro 35, maintenant on est à la porte numéro 36. On y est presque les potes. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de jumpscares que le jeu s'appelle comme une jumpscare mansion? On est à la porte. On est la nuit dans le jeu, on dirait, parce que les fenêtres. On dirait que c'est la nuit au lieu du matin. On est quand même dans l'ambiance des jeux d'horreur, sauf que les screamers. Ok. Les screamers, ce n'est pas encore ça. Il faut que vous vous entraînez avec les screamers parce que les screamers, même les jumpscares, ils sont grave mignons. Même les jumpscares, ils sont en carton et en plus ils sont grave mignons. Plus que 10 portes, on est à la porte numéro 40.
La porte numéro 41, yes. On va où? On va y aller là, je pense. On est dans du sac violet. Moi, c'est par là. On a la petite pente. On est à la porte numéro 43. On a bientôt le checkpoint. Voilà, j'avais perdu mon nom. Par contre, il y a des bruits bizarres qui se passent. On est à la porte numéro 45. Bon. On avait quand même que deux screeners. Non, toujours, mais que de screener. On a la porte numéro 47. On est presque. Porte numéro 48. Oui, je pense qu'on va dépasser les 50 portes. C'est tout droit, quoi. Ah oui, c'est là. J'avais pas vu. On est à l'avant-dernier, porte numéro 49. Et pas de screener au calme. C'est réussi. C'est ça? On est ok. Voilà. Ah, ça déjà le checkpoint. Ok, c'était ça, je crois, j'espère. Et on a un cœur. Ça, normalement, regardez, il y a du sang, mais même le sang, c'est grave mignon, comme on s'en disait. On va un peu avancer, on est dans la chambre numéro 50. Et on va un peu avancer, on va voir comment ça marche. Ah, qu'est-ce qui s'est en train... j'ai fait quoi là, j'ai cliqué où? Ça va marcher ou pas? Regardez, même ce jumpscare est grave mignon, le cœur. C'est censé être un monstre d'un jeu d'horreur qui n'est pas du tout un jeu d'horreur, il est plus mignon que un jeu d'horreur. Qu'est-ce qui se passe? La porte est ouverte tout seul. On a la porte numéro 51. Là, c'est les mêmes labyrinthes, les mêmes concepts. Allez, pour l'instant, rien de assez difficile. Porte numéro 1. Pourquoi il y a des prisons? Pourquoi il y a des prisons? Allez, on va au moins réussir à y aller jusqu'à la 60. Par contre, on n'a eu que deux jumpscares. Deux jumpscares, c'est rien. Ok. Ça s'allume tout de suite. On va y aller. Franchement, si je suis motivé, il y aura une partie 2. Si je suis pas du tout motivé, il n'y aura pas de partie 2. Et aussi, vous pouvez me motiver en termes de like si vous voulez une partie 2. C'est Spooky House Jumpscare Mansion. Voilà la porte numéro 52. On dirait une école. Regardez les chaises comme elles sont passées. On dirait grave une école. On a la porte numéro 60. Pourquoi il y a ça? C'est quoi ce truc? Wow! On a la porte numéro 61. Hein? C'est quoi le but? Ok! Là, on a carrément changé de... J'espère que ça va rester mignon et j'espère pas que ça va partir en cacahuète. Ça c'est quoi ce truc? Oh! On marche plus doucement. Tout à l'heure c'était mignon, là je pense plus que ce sera mignon. Allez, on a la petite salle de classe.
son professeur. On a toujours le prison avec la gélatine verte par terre. C'est parti. Je pense pas qu'on va finir le jeu à 100%, mais je ne sais pas, on va pas le finir. Ah, mais ça nous ralentit en fait la gélatine. On va au moins réussir à y aller jusqu'à la 70. Non, on doit y esquiver ce truc. Ok, on a plus de gélatine, on a la salle numéro 61. À la salle numéro 75, on arrête cette vidéo. Alors, le juif, pas du tout peur. Mais c'est censé être un jeu de rôle, je sais pas pourquoi. Même s'il fait pas du tout peur, et on a une troisième jumpscare. Vous savez quoi? À la salle numéro 80, on arrête. Enfin, je pense. On va essayer d'aller à notre maximum. C'était quoi le bruit? On n'a pas écrit. Là, c'était vraiment pas un jumpscare. C'était tout autre chose, mais sauf un jumpscare. C'est parti en cacahuète, là. Mais elle est où la porte? Non, mais c'est quoi ce truc? Non, il faut que je regarde de sur ça, moi. What? C'est parti en cacahuète, je vous jure. C'est parti vachement en cacahuète. Hein? Franchement, alors si je suis motivé, il y aura une partie 2. Sauf que je au jump carrément, mais si je suis pas motivé, il n'y aura pas de partie 2. On touche directement à la fin du jeu, j'espère que vous aurez pu. On finit la vidéo avec du sang par terre et une cervelle dedans. Voilà. J'espère que vous aurez pu mettre à mon sujet sur un épisode 2. Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez de ce jeu d'horreur qui n'est pas du tout un jeu d'horreur. Et que les jumpscares aussi ne sont pas des jeux d'horreur. Pourquoi je me suis trompé ça? Ouais, on va terminer la vidéo. Ah, je me suis trompé de ça en fait. On va ouvrir cette dernière porte et ce sera la fin. Franchement, une fois je serai motivé pour une partie 2 là. Je serai grave motivé pour une partie 2. Pour la partie 2, on va commencer de la salle numéro 83 du coup. Voilà, on va commencer la partie 2 de la salle numéro 84. C'était quoi ce truc? C'est un jumpscare aussi. Wow. Alors là, le jeu il est à l'infini. On touche directement à la fin du jeu. J'espère que vous aurez pu. Pour la salle numéro, pour la deuxième partie qui est en ligne, on va compter la salle numéro 86. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pas ce coup de à la bonne si ça vous a fait kiffer. Et moi ça m'a fait kiffer, je vais pas montrer. On touche directement à la fin du jeu. Sinon, moi, je vous décide et vous avez gagné sur Spooky Old Jumpscare Simulator. Après, Jumpscare Mansion. Ciao tout le monde.